Celle de tous ses amis, c'est Vadim. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et j'ai gardé tous ces petits coffres pour vous, donc boum 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 boum. Donc parfait. Et oui, l'autre carte, c'est l'esprit électrique qui elle est vraiment sympa, bordel. Bon, ce truc, c'est que je vais devoir le comparer avec mon esprit de gel, parce qu'il coûte le même point en termes d'élixir. 1 et 1. Le problème, c'est que moi, ici, il est boosté au niveau... Ah, il est boosté au niveau 13, donc c'est parfait. À part si ça, ça m'indique le mauvais... Non, il m'indique le mauvais point de vie. On peut pas voir. On peut voir niveau 9. Ça, c'est assez embêtant parce que ça aurait été intéressant de savoir s'il est de combien est-ce qu'il est. Donc, par exemple, si on voit... Donc, moi, niveau 13, on voit son... ce qu'il fait, 132, etc. Donc, lui, niveau 9. On voit pas ses dégâts. C'est 82. 82, c'est tout. Ok, peut-être qu'il sera plus fort, on ne sait pas. Voilà, il y a encore quelques niveaux au-dessus, à voir. Par contre, il agit comme l'électricité de dragon électrique, voilà, c'est un petit truc à savoir. Donc là, c'est vraiment un gros pack opening. Ce que j'ai jamais fait, c'est de laisser du 1 jusqu'au 35, mais ouvrir 35 offres, c'est un peu beaucoup. Oh, la légendaire. Et c'est... Ah oui, d'accord. Oh, c'est cool. En fait, je peux bientôt l'améliorer. Je suis un peu déçu, mais je peux l'améliorer. Donc, ça peut toujours être cool d'avoir une carte en plus. Alors ici, on est arrivé au Colisée. Du coup, bah, go faire le Colisée, tout simplement. Voilà ce que je vous ai peut-être... Non, je vous ai pas montré. Je vous ai juste dit ce que c'était. Pao, pao, on va prendre le PK. Mais de toute façon, c'est... Enfin, vous allez voir du coup maintenant ce que c'est. C'est rien d'exceptionnel. Boum, boum. Les stratégies habituelles. Oh, elle a marché en plus. D'habitude, ils mettent squelette. Ouh là, ça bug un petit peu. D'habitude, ils mettent armée de squelette pour défendre. Bon, lui, il a mis chevalier ténébreux. Ça arrive. Enfin, en vrai, il a mis bombardier et Valkyrie. Valkyrie, c'est vrai que ça arrive souvent. C'est vrai. Par contre, bombardier, non. Ou là, en retrait. Pas comme il a fait lui, il a mal mis en retrait, je dirais. Pas mal. J'ai dit électrocuté, mais je vais le faire, je pense. J'ai peut-être pas vu. Parce que de toute façon, il n'y arrive pas. Ah, si, il va peut-être faire un coup. Parfait. Ok, donc j'ai bien fait. Un sorcier, esprit de gel. Voilà, donc vraiment. L'esprit du coup électrique va vraiment concurrencer l'esprit gel, donc c'est un truc de ouf. C'est le truc que tu devras choisir, quoi. Que je devrais choisir d'ailleurs. Pas maintenant, mais bientôt. Dès que j'aurai niveau max, je verrai lequel est le plus intéressant. Je dirais le peut-être. À la limite, l'esprit électrique peut être intéressant dans le style où il peut attaquer plusieurs adversaires en même temps. Enfin, 3 maximum en fait. Alors que l'esprit de gel, lui, il attaque plutôt... il peut attaquer un groupe, quoi. Donc, quand il y a armé squelette, il peut en attaquer plusieurs. Ou les chauves-souris. Mais les chauves-souris, c'est maximum 4 qui peut en tuer. C'est peut-être de la chance. Sinon, c'est 3 en général, donc l'esprit électrique fera la même chose, en théorie. Sauf qu'en plus de ça, l'esprit de gel attaque non seulement les chauves-souris, mais les troupes en bas aussi. Ce qu'il ne veut pas faire du coup. Et qui va seulement cibler 3 troupes. Donc... Ouais, c'est assez bof, hein. L'esprit de gel, en fait. Enfin, l'esprit électrique. Il est bien et pas bien en même temps, en fait. Parce qu'en fait, il a vraiment le même effet que l'esprit de gel, mais s'il fait moins de dégâts, s'il fait... S'il a moins de points de vie, etc., il est moins intéressant. Enfin, les points de vie, on s'en fiche, hein, en réalité. C'est juste ne pas se faire dégommer, c'est tout. Mais s'il a plus de points de vie et qu'il a moins de dégâts, c'est pas intéressant, parce que c'est vraiment des dégâts qui sont intéressants, en l'occurrence. Quand tu attaques une tour ou quoi. Bon, là, c'est fini, hop. C'est fait. Parfait, ça rentre dans la caisse. Tong. Et là, on va sélectionner notre deck. Voilà. Donc ouais, j'ai pas modifié parce que je trouve qu'ils sont cool ces decks là. Personnellement.
Ok, esprit de feu. Esprit de feu, j'aime pas en tout cas. Même s'il m'a bien eu, j'aime pas esprit de feu. Ça fait des dégâts de zone et tout, ça fait pas mal de dégâts. Mais c'est pas intéressant parce que ça ne stoppe pas les troupes qu'il faut stopper. Par exemple, Dargon de l'Enfer, Zappy, et j'en passe. Donc voilà, pourquoi est-ce que je ne prends pas esprit de feu? D'ailleurs, c'est peu utilisé, je trouve, l'esprit de feu. Lui, il l'utilise, mais il y en a peu normalement qui utilisent l'esprit de feu. Ce qu'il utilise, c'est la boîte. Enfin, la maison. La fournaise. Alors, hop, ça c'est fait. Oh, j'ai raté. Oh, bah, de toute façon, je l'aurais pas eu. Bon, c'est bien. Enfin, bien et pas bien en fait. Oh, on va mettre le fantôme parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc cette partie-là, je pense que je l'ai perdue. Ouais. Clairement. Elle est foutue. Touk. Hey. En plus, il veut pas se mettre. Allez, 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 vas-y, chevalier, tu peux les tuer. Bien. Tiens, on les trigarde parce que ça fait trop mal. Ça va faire trop mal sur ma tour. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elle souffre. Hop, hop, hop. Ok, mais en fait, c'est son putain de deck. Donc, lui, il a affronté mon deck excellent au premier tour. Moi, j'attaque son deck excellent au second. Bon. Pas top tout ça. Ah, bien joué. Hop, hop, hop. Ah, je vais avoir du mal, hein. Oh, ici, ça va être facile. Hop, c'est fait. Là, on balance la vue. Ouais, mais il m'a défoncé clairement. Enfin, c'est même pas important ce que je place parce que c'est foutu. Ok, c'est pas de soucis, ça devient plus intéressant. Là, c'est le choix décisif, hein. Allez, on va prendre Zappy. Il l'a pas pris d'électrocution. Il a peut-être une électrocution, donc je vais prendre celui-là. Parce qu'il a peut-être un deck où il y a de l'électrocution. Je ne peux pas prendre le risque. Parce que c'est une démon de 100%. C'est le gros défaut. C'est le gros défaut du deck Zappy. C'est que tu es tout le temps vérifié en fait. Ok. Pour le moment, ça va. C'est vraiment positif pour le moment. Mon deck n'est pas dégueu. Lui-même, il a pris Zappy. Check ça, quoi. Ok. Si après il a pris derrière un électro-sorcier, je suis dans la merde. Parfait. Vraiment parfait. Allez. Pas de bug, merci. Je sais pas ce qui se passe, hein. Je suis en tendance à bugger. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, hop. On met le prince. Parfait, il y a le géant qui arrive. On peut mettre un bâtiment. D'accord. Je sais pas ce qui se passe, hein. Ça bug, ça bug un peu. Boum. 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 Ah, là, tu le manques. Voilà. Et on l'a tué tranquillement. Ce qu'on peut mettre, c'est... On va le tenter avec un prince ténébreux. Comme ça, je pourrais mettre mon chevalier. Mon méga chevalier.
Ouais, c'est pas ce que j'avais prévu, mais ok. Ok, c'est parfait. Donc là, on prépare le bébé dragon. Ah, le dragon de l'enfer. Boum. Et donc là, je reprends. Mais là, c'est juste l'enregistrement. Parce que ça a coupé. Ouais, malheureusement. Donc voilà comment je fais ça tout tranquillement. Boum. Et voilà. Ça vient de débugger, bien. Parfait. Perfecto. Hop là. Donc, ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est également ce qu'on avait pour ce pass royal. Hop, 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 hop. Choctobre. Donc, hop, attendez. Il y avait le skin de tour ici, électrique. Donc, je l'ai malheureusement pas vu dans cette vidéo. C'est un peu dommage. Il n'y a pas eu alors l'émoticône dessus. Hein. Allez, tu veux bien te montrer, s'il te plaît. Voilà. Rien d'exceptionnel, hein, franchement. Donc, voili, voilou. Alors, on a évidemment deux nouvelles quêtes. Celle-là, elle est bientôt disponible. Et on l'a déjà vu à l'œuvre. Et voilà l'esprit qui est déjà disponible. L'électro-esprit. Ah, il fait quand même plus en réalité. Ok, bon, je me suis trompé dessus. Donc voilà, donc c'est tout pour cette saison. Donc moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Ah oui, là, c'est l'électro. Ah oui, il n'y a pas les grosses récompenses. Donc 2500 et à chaque fois, c'était 1000 pièces. Donc là, vous regardez 2500 et trucs. Donc c'est pas un truc énorme. Donc là, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un max de pouces vers le haut, à mettre des commentaires. C'était Vadim. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, ciao ciao et portez-vous bien.